Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Marcus. Bienvenue les potos et les potesses pour un nouvel épisode de Suicide Squad. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai changé le skin de Sharky. Je le trouve bien sympa comme ça, vous me direz votre avis dans les commentaires. J'ai hâte de le voir comme ça là dans les cinématiques. Est-ce que ça fera bien? Est-ce que ça ne fera pas trop tâche? Va savoir. En tout cas, j'attends vos avis par rapport à sa tenue, par rapport à son look. Et là, tout de suite maintenant, on a pour but d'aider Hack à hacker. Et pour ce faire, on va aller tout droit. Tiens là. Hop, 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 hop. Je crois qu'il s'agit là d'une fenêtre ouverte sur la réalité elle-même. Mais elle est où, la parade? Comment ça? Tu ne vois pas ce machin dans le ciel? J'espère qu'ils vont pas l'annuler. J'ai fait tout ce chemin pour avoir un autographe. Ouais, moi aussi. Hé, excusez-moi, vous avez une idée de ce qui se passe? Est-ce que ça fait partie du spectacle? Vous n'êtes pas de Métropolis, vous, hein? Eh, tu sais ce que je peux faire? Là, je me rends compte que j'ai changé pour le poteau Sharky. Mais je peux faire pareil pour eux? Si je vais dans apparence, tenue... Non. Tac. Harley Quinn. Là, qu'est-ce que ça donne? Ouais, pourquoi pas? Histoire de changer. Maintenant. Deadshot. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que ça donne comme ça? Oh, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Mais on fera ça un autre jour. Là, d'abord, on va rester avec les skins qui sont là. Oh. Allez, vous me direz vos avis sur ces tenues là. Est-ce que vous les kiffez ou pas? Ça ne veut rien dire. Mince. Je me rappelle que dans Batman Arkham Knight, sorti il y a 9 ans, la pluie était bien mieux faite. Hein. J'ai trouvé Hack. Elle fait quelque chose. Hack, qu'est-ce que tu fais? Je crois qu'elle est en ligne. Attention aux soldats exterminateurs lors de votre prochaine mission TFX. À courte portée, ils sont dangereux. Ne vous ridiculisez pas. Luthor a trouvé comment infiltrer les communications de Brainiac. Oh, la tenue de Boomerang. Pour sa tenue de combat. Ah non, mais on encore les autres, le ça va, mais lui. Luthor a eu accès pour récupérer. On dirait truc. Un lutin, on dirait après, un. On le retrouvera. On dirait un mec qui s'est déguisé pour. Je sais pas, pour vendre des cadeaux de Noël. La tour du terminal arrive. Allons trouver Luthor. Approchez-vous du terminal, je vais le scanner. Empêchez les méchants de me bloquer. Terminal sécurisé. Retravail. Les ennemis m'empêchent de scanner le terminal. Task Force X, je vous envoie un bolide. Mettez la pression sur la Ah, super. Ce ne sont que 4 petits criminels. Montrez-leur ce dont des troupes d'élite sont capables. Nous avons pris le contrôle de ce terminal. Les a eu. Sautez, ça va exploser. Oh, c'était pas bon, non mais j'ai pas. J'en perds mes mots. Attends, je l'ai fait totalement aléatoirement. Ces unités ennemies massives causent de sacrées interférences. Peut-être à cause du lien psychique avec Brainiac. Virez-les de là. Ce que je vais faire. Ils sont
ont quitté le terminal. Je scanne les données. Je peux pas me connecter à ce terminal. Reprenez-le. On attaque le requin. Et moi, je vous attaque. Les sous-fifres de Breignac ont dégagé. Scan en cours. L'ennemi a déconnecté notre terminal. En transition, on tente d'attaquer les cibles. Allez ! Faut que je fasse quelque chose, non ? On vise, sac ! Terminal aux forces de Breignac. Scan en cours. Terminal perdu. Remettez-le en ligne. Punaise! Ce truc. Beau travail, Hack. Merci, Hack. Mais de rien. Ok. Je retourne au QG pour passer ces données au crible. J'espère qu'on va le voir, le petit Lex. Hein. Surtout dans son armure robotique. Ah, non. Du commun. Non, ça, c'est du rare. Réducteur, ouais, non. Malédiction lémurienne. Est-ce que ça vaut le coup? Ouais, ça m'a l'air pas mal. Allez hop. Task Force X, nous avons repris contact avec une unité qui a essayé de capturer Ivy avant vous. Elle a lancé une arme biologique. C'était un accident. Ça arrive. Tu as littéralement congelé mes soldats. L'envahisseur peut geler, brûler, électrocuter, et plus encore! Vous ne voulez pas ce pouvoir, hein? Amenez-moi ces soldats et je pourrai continuer à travailler dessus. Il est sauvé. S'il le faut. Décontaminez le bus, moi je m'en vais. Task Force X, je vous retrouve sur place. Une silhouette forte impressionnante. Le monde entier vénère cette idole étincelante. Idole étincelante. Je suis sûr qu'il y a des petits trucs à voir au niveau du paysage, au niveau du décor, au niveau de la map. Mais hélas. Les insurgés ont développé leur propre technologie de transfert. Il faut savoir où chercher. Et ceux avec qui ils travaillent tentent de monter une résistance. C'est voué à l'échec. Notre monde, ces associations de malfaiteurs échouent toujours. Ouais, mais il y a toujours des exceptions, mon petit bâtounet. Les défenses de Luthor sont compromises. Signalez tout. C'est là qu'ils se sont réfugiés. Je sens des problèmes. Et ce n'est pas un complot de rang bon marché avec les spécifiques sur le climat. Putain, mais y'a Mr. Freeze ou quoi? On dira qu'il était comme ça quand on est arrivé. Non. Ici Lois Lane en direct. Oula. C'est que je vais comme ça. Un humain capable de contrôler les plantes aurait rejoint la résistance de Métropolis. Poison Ivy est-elle vivante? C'est en tout cas l'hypothèse la plus probable. Oui. Tout ça me fout en rogne, TFX. Qu'on
J'en ai donné à Poison Ivy Junior un labo dans notre base, que nos hommes lui servent de cobaye. Mais le pire, c'est de devoir compter sur vous pour des missions de sauvetage. Je ressens beaucoup de haine en vous, colonel Flag. Tu crois pas si bien dire, Shark. Go, go, go! Lancement du scan. Et n'oubliez go, go, pas, Power Ranger! Sauvez les civils. Aucun de ces humains n'est à l'abri. Mais attends, mais ça va se répéter par rapport à ce qu'on avait fait la dernière fois. Bon, pas ça. J'ai repéré un survivant. Les ennemis se dirigent droit sur lui. Bougez-vous. Attends, c'est où? Ok. Peut se mesurer à nos unités les plus importantes. TFX, c'est des soldats qui morflent à cause d'un truc inconnu dans leur système. Alors faites ce qu'on vous demande et faites-le vite, bien et sans bavure. D'une explosion. Vous m'avez sauvé les biches. Ah, je peux pas! Oh, le fumier! Ah oui, c'est vrai, c'est à Harley que j'avais donné une minigun! J'espère que vous êtes prêts. Je lance un nouveau scan. Bordel, je peux pas risquer une exfiltration avec un blindé dans la zone d'opération! Ouais, ça craint d'être bloqué par un char. Si seulement quelqu'un pouvait trouver son point faible. Bon, très bien. Attaque-le après qu'il ait utilisé son arme à énergie. Nouvelle cible verrouillée. Et merde. Assimilez-le. Thank you. Efficacité TSX. Entrez là-dedans et évacuez mes soldats. Mince, j'ai oublié qu'il y avait un autre gars. Ah merde. Bon sang les gars. Vous croyez que c'est une expérience scientifique? Sauvez ces... Nouvelle signature humaine. Mais attends, mais le gars qui est mort, c'est celui que... J'ai pas pu sauver parce qu'il y avait trop de monde, non? Oula. Tenez-vous prêt, TFX. Le scanner va attirer du monde sur votre position. Je peux vous voir exploser ces ennemis, compris? Mes scans sont foutus! TFX, ramenez-moi ce survivant, et vite! Les ennemis sont pas loin! Ah oui, là, bah, il est à côté, totalement à côté! Mais pas encore! Oui, mais on l'a pas fait exprès. Le pire, c'est de devoir compter sur vous pour des missions de sauvetage. Et blablabla, si t'es pas content, tu peux t'en aller, mec. Tu crois pas si bien dire, Shark. Go, go, oh. Go. Limite, c'est comme s'il m'avait répondu. Très bientôt. Ah, le scanner est débordé. Videz-moi la zone d'opération pour que je puisse travailler. J'ai repéré un de mes hommes. Et merde, les alliés l'ont vu.
Mais attends, il est où le Swill? Ouais, d'accord, ok. Je pensais que je pouvais. Merde. Les garder, mais non. Ah, mais merde! Je gogolise, mon gars, c'est pas possible. T'inquiète. T'as rien pacifié du tout, mec. Je vais revenir. D'abord, on va sauver lui. Descends. On se concentre sur vos bras. Attachez vos ceintures, ça va secouer. Et le dernier. Ne vous relâchez pas, TFX. Vous avez bien avancé, mais il y a encore des soldats à sauver. Ce serait bien si on pouvait planer. Ça me ferait gagner du temps quand même. Récupère ouais, lui déjà. Là que vous faites confiance. Moi aussi. Bon, ça c'est ok. Véhicule en route. Il devrait vous être utile. Ce serait gentil. On vise un autre résistant. Mais c'est un poil trop tard. C'est pas vrai! Puis en plus, je fais des sauts de 40 km de hauteur, forcément! Mais 40 ans aussi à redescendre! Évacuation terminée, Argus, préparez la décontamination et l'assistance médicale. Dites à Kolchak de se préparer. Oh! Que de mal! Que de mal! Ah, du rare. Même pas, c'est du peu commun. À chaque fois, je me fie à la qualité, à la couleur, mais non, pas du tout. Ah, si, d'accord, je comprends mieux. Donc là... Non, 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 on peut prendre. Hack bosse encore sur le mouchard. Équipez-vous pour partir à la chasse au Luthor quand le moment sera venu. Mais le braconnage est illégal ici. Ah, y a rien d'illégal quand on est riche, Sharky.
Assurez-vous que le matos est OK avant de retourner par Arc au QG. On n'est pas si con que ça, hein? Ça reste à prouver. Waller, terminé. Ok, donc là, on a quoi comme mission? On a ceci. Écraser les insectes. Arme égale. Fix, je peux commencer par ça. Vous étiez déjà sur ma liste noire, mais après le coup que vous m'avez fait avec Scorp, il y a ça aussi. Une nouvelle liste. On a là également. Une présence ennemie a aussi été détectée dans le stade. Débarrassez-nous d'eux, et peut-être que je glisserai un mot en votre faveur. D'accord. Ben, on verra ça après. Je crois pas qu'il y ait de téléportation rapide. Attends, c'est par où? C'est par là-bas. Quelqu'un détruit nos patrouilles et nos installations, Bruce. Les armes de Luthor ou Wonder Woman. Je ne peux pas non plus écarter ce gang de maigris. La ferme a un sec pour mon ennemi. Ce gang de... Je suis sûr qu'il allait dire ce gang de mécréants. Non, pas du tout. Les copains! Soit une nouvelle cible! Ça c'est clair et net. Tirer où là? Il est temps de pulvériser cet activateur, camarade. Ok, le retour. Vous pouvez achever l'incubateur. Ne le remerciez pas.
Et punaise, je peux rien faire, il y a trop de monde autour. Voilà. Je confirme que le périmètre est dégagé. Vous avez suivi vos ordres. Bien. Et pourtant, nous sommes toujours sur la liste en noir. La liste noire, mec. Affirmatif, Shark. Oh! Ouais, mais est-ce que ça va valoir le coup si je vais là? Non, et si je vais là non plus. Là, arbre talent. C'est ton cerveau, alors à toi de choisir. Bah, je peux pas là? D'accord, ok. Pas de soucis. D'accord. On va voir si j'y arrive. Attirail, c'est pas la peine. Moi, ce qu'il me faudrait, c'est vraiment une arme au corps à corps qui fasse du dégât, quoi. Parce que là, en tant que tel, ouais, ça fait le café, mais sans plus. Donc là, on avait vu ici. TFX, les insectes de Breignac sont en train de scanner la division armes avancées de Starlab. Et quand on veut attraper un voleur, on envoie un autre voleur. Pourquoi ne pas rappeler le premier voleur? Non, laissez tomber. Interceptez ces données et ramenez-nous ces armes avancées. Symbiote d'équipement mobile détecté. Pardon, je veux dire Butino droit devant. Breignac, je suis capable de poursuivre ma surveillance et de m'occuper de Luthor. Il est trop tôt pour le déploiement. Il cherche à prouver quelque chose. J'aperçois notre point. Les données balistiques seront bientôt en nos mains. Elles sont de sa boule de cristal, au pur mystique de notre capitaine. On n'a plus de tellement. Sécuriser les données pour hack. Ce plan est un grand classique du colonel Flag. Renvoyez-les en enfer. Ouais, mais on peut pas avoir le véhicule. Quelque chose. Des données concernant Starlab. Mais l'arborescence est toute faussée. Peut le temps passer dans des tripes d'aliens. On est juste à côté de Green Lantern. Chope ce nouveau matos et on s'occupe des tripes d'extraterrestres. Ouais, des flingues contre des tripes. C'est équitable. Oh, vous avez vu ça un peu? Envoyez plus d'hommes affronter ces criminels. J'avais pas fait gaffe là. Niveau de Sharky, le changement de couleur et tout. Je suis pas là, je parle des armes. Hop là, t'en vas pas mon gars.
c'est les grenades? J'arrive pas à les voir. Je prends l'air, ils se prennent des balles. Mince. Je vais crever. Ouais. Encore 7. Toujours pas de grenade. On a plus de défense. On va y arriver. Me voilà. Où sont les trois derniers? On bouge. Manifestez-vous! Attaque aérienne! Bah, moi je vois rien personnellement là. Cible verrouillée! Capitaine Boomerang! Bon, attends. Qui c'est lui? Fait. Ah, et voilà. C'est bon, j'ai tout. Des schémas. Ouais, un petit peu laborieux. Hein. Intéressant quand on aime les flingues, j'imagine. Ça, mes camarades apprécient les flingues. On est des passionnés, mon pote. Ah, c'est pas les meilleures missions du jeu, hein. Ça aurait été bien d'avoir des vraies missions scénarisées. Voici les nouveaux prototypes de Starlab. Top secret et ultra confidentiel. Tir en rafale, action rapide. Bonne résistance pour des automatiques créées dans un foutu laboratoire. Pas le temps pour les vérifs de sécurité. Voyons ce que vous pouvez en tirer. Pas le temps, faut y aller. Oh, du légendaire. Ouah, une arme au corps à corps, une arme au corps à corps. Et non, pas mal. Pour sa propre protection. Mais bon, moins bien que ce que j'ai. Attends, si je fais changer. Non. Ça fait plaisir, pas vrai? Arbre de talent. Allez, on améliore ton cerveau de requin. Tac. Et maintenant. Maintenant, on a ici. Mes gars sont allés chercher des armes qui ont. Non. Oui, bah vas-y. Un peu plus de punch que les pétards que vous trimballez. Le truc, c'est qu'ils se sont mis dans le pétrin. Allez les sauver, et vous aurez de meilleures armes. Lexor. Waller a toujours deux. Je dis ça comme ça, mais peut-être que t'aurais pu en parler avant qu'on se fasse sérieusement engueuler. J'ai repéré un butino dans un des ennemis à proximité. Je sais que vous m'écoutez, criminel. J'ai dû analyser les débris de vos armes mobiles. Du travail de seconde zone. Du gizmo tout craché. On vous a envoyé à l'abattoir. Vous en êtes conscient. Dans leur repère, les milliers conspirent. Un nombre qu'on ne saurait arrondir. Atterrissage. Aïe.
Je suis là. Très bien, continuez à les mettre en pièces, TFX. Nous, ce putain de butino. Ah, il est là sur le côté. C'est moi ou il se déplace archi vite? En pleine invasion extraterrestre, que font des super vilains armés en liberté dans nos rues? D'après son costume, l'un d'eux semble être Floyd Lawton, alias Deadshot, un tueur à gages plusieurs fois condamné. Il a la mauvaise réputation d'accepter tous les sales boulots, même les pires. Que vient-il faire dans notre ville? La même question se pose pour sa complice Arlene Quinzel, alias Harley Quinn. Harley Quinn et Floyd Lawton semblent être accompagnés d'une espèce d'homme poisson et d'un quatrième individu quelconque. On sait que Brainiac contrôlait les membres de la Justice League. S'est-il emparé de l'esprit de métal humain de Bas-Étage pour grossir ses rangs? Ou Métropolis est-elle en train de devenir la nouvelle Arkham City? Habitants de Métropolis... Bon, hey, je vais pas tourner en rond pendant 40 ans, hein. Ils sont armés, dangereux et ils préparent sûrement un tel coup. Dans son froc quand Waller a gueulé. Les gars du pingouin ne devraient pas être loin. Cobblepot a trouvé un moyen de réutiliser les terminaux en combat. Je t'ai pas demandé les détails. À vous de le découvrir. Mes gars sont là-bas, dans le pétrin. Ton gang gérait la moitié des raquettes de Gotham, et maintenant il leur faut une escorte? C'était une autre époque, Deadshot. Aujourd'hui, c'est à peine s'ils savent tenir un pistolet dans le bon sens. Ah, j'active le bat-signal. J'ai lancé le scan. C'est comme mettre un gros signal lumineux pour attirer les aliens. Il m'a fait bien mal ce con. Surveillez cette porte, bande d'abrutis. On n'est pas les seuls à chercher les civils. Écoutez-moi ce retard. Et enfin... La plupart des crétins que j'ai perdus sont là, mais je sais qu'il en manque. Dites-vous que pour chaque type sauvé, vous aurez une arme en plus. On change de cible. Et la dernière cible, elle est où?
Ah, je pige pas trop ce qu'il faut faire. Bien foiré. La brutalité de Shark est impressionnante. Tu te répètes un peu, mec. Enfin, trouvez-le. Vous en subirez les conséquences. J'aime pas ça. Nouvelle cible localisée. Oh, le Paul. Vous m'avez évité de devoir former de nouveaux hommes de main. Ben voilà. J'apprécie tout ce que vous me ramenez. Maintenant, mes gars peuvent vous fabriquer les joujoux de qualité qui font ma réputation. Je ne parle pas que des armes à feu. Vous me rendez quelques services, je peux vous dégoter de meilleures protections, des armes, des grenades. La seule limite, c'est votre incompétence. On verra ça après. Sélection une mission. Donc là, fortiori, bah j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Ivy et Hack ont préparé l'équipement dont vous aurez besoin pour ramener Luthor. Ah non, on pouvait aller là. Contrairement à vous, elles ne m'ont pas fait perdre mon temps. Revenez une fois remis sur pied. Ou revenez tout court. Dans tous les cas, j'attends. Allez. On verra pour faire l'autre mission principale, enfin l'autre mission secondaire. Tu veux que je passe par où? Même quand peut-être par l'entrée. Mon trône, je me souviendrai de ces moments en votre compagnie. Si tu veux qu'on vienne te rendre visite chez toi, dis-le. Surtout pas. Alors Cash, qu'est-ce que ça fait de revoir Poison Ivy? Vous avez un petit compte en sus. Vous avez chopé Ivy. Oh là! On va parler à Ivy avec les autres. Pourquoi ça marche pas? Ah, vous aussi, vous priez pour la douce libération de la mort, colonel. On n'est pas si sûrs. Ça sent le compost ici, depuis qu'on a... Je pensais qu'Ivy était plus grande. Ça sent le taureau ici! Je répète, ça sent le taureau ici! Si le pingouin nous voit discuter, il retiendra ça sur ma paix. Ouais, mais moi je veux acheter des trucs! Et je vois que je peux rien faire! Non mais c'est pas par là. Je monte.
vu là-dedans, toi ? On papotera de tout ça quand je serai en bonne santé. Ah, d'accord. Pitié, arrêtez là. Ah, où tu es, moi ? Harley, en souvenir du bon vieux temps. J'attendais que tu demandes. Pingouin, faisons un jeu. T'es Victor Freeze et moi je suis la brillante scientifique. Non. C'est... Sale petite. Qui sait ? Je crois qu'elle t'aime bien maintenant, Ozzy. Sinon, tu serais... Elle a déjà envoyé 5 de ses nounous de l'Argus à l'hôpital. Couvert d'engelures. J'étais juste allé pisser. Je te montre ça plus tard. Qu'est-ce qu'il a mise dans cet état, Cobblepot ? Pingouin ! Laisse les adultes parler ! Je fournis des armes à la petite gnome pour qu'elle y mette sa magie. Avec cette affliction sur votre arme, vous pouvez geler les extraterrestres sur place. Oh, c'est mortel ! Ah oui, enfin ! Ils cristallisent les fluides dans leur corps. Mais je trouve que glaciation intense, c'est plus flippant. Alors on va l'appeler comme ça. Ouais, ouais, t'es très intelligente, Miss Univert. Bon, que dirais-tu d'un bon matériel de combat bien glacé ? Je travaille toujours sur l'amélioration des grenades. Bang ! Psh ! Avant que j'oublie, Waller veut que vous alliez voir Hack. Son petit virus de compagnie affirme qu'elle peut trouver Lex Luthor. Alors attends. Là, on a fabriqué et remanié. On va faire fabriquer. Fabriquer. Gadget de bouclier. Donc là, je regarde. Je regarde. Là, on a de l'épique. Et vous pouvez constater. Que moi, actuellement, j'ai du rare. Et que actuellement, j'ai 106 104 de pognon. Ouais, allez, vas-y, on va partir sur ça. Attends. Je vais prendre ça. Donc là, on passe à 905, protection soin, donc je fais équiper. On peut faire quoi d'autre ? Gadget acrobatique, grenade. Non, les grenades, on est bien les grenades. Bah, on est bien les grenades. Gadget. Pour le Sharky, et on va partir sur ceci. Donc là, non. On va faire déconstruire. Yes. Encore un petit coup. Là, oui! Équipé. On peut faire pareil pour eux. Ouais, déconstruire. Bon. C'est bien. Moi, ouais, maintenant, je veux parler, c'est à la petite... En fait, il n'y a que lui. Pourquoi je peux pas parler à la petite ? Voilà, merci. Affliction. Je t'es là pour rendre ces stupides armes en métal un peu plus... décapantes ? Je me trompe ? Allez, c'est parti. Modifier. Non mais en fait, c'est bien. Par contre, si je fais affliction. Ouais, non, on a que ça. Petite merde arrogante. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi, lui ? Ils sont mauvais, hein. Enfin, il est mauvais, je veux dire. Vous allez où, les quatre phénomènes ? Hack a réussi à faire... On va aller voir Waller. Non, on va aller voir Hack. Très bien. Mais je ne suis pas un phénomène. Ma taille et mon poids... Oui, c'est bien colorisé, hein. ...du requin de ma stature. Ça me plaît, ce que t'as fait de l'endroit. Merci, Madame Quinn. Un peu étroit. Mais mieux que la cage de Faraday isolée dans laquelle Waller me gardait. Donc, pourquoi tu vas regarder vers le bas, Waller mec ? T'as bricolé un mouchard pour pister Lex. Il traque les battements de son cœur dans un rayon de 8 km. Je viens de vous transmettre le code. Il vous suffit de suivre le point vers le milliardaire chauve. Oh, attendez, avant que vous partiez,
Allez voir Cash. Il devrait avoir quelque chose pour vous. J'aime ça, mais pas autant que j'aime la glace. Mais on n'a encore glacé personne. Je sais. Faut y aller, Cash. Stark, dégage d'ici avec ta clique et va trouver Luthor. Et peut-être qu'il y aura une friandise pour toi. Cool. Je ne suis pas un animal de compagnie, Flag. Je n'ai pas besoin de friandise. Mais j'aimerais bien en avoir une quand même, je suis affamé. C'est vrai qu'on n'a pas mangé depuis qu'on a commencé la mission, hein. Prends trop la tête, Janelle. Un narrateur omniscient n'est pas forcément un médium. C'est juste un... Bah, si je vais là... tout ça pour que vous vous sentiez bien, elle. Ouais, non. Je pensais que j'allais pouvoir y faire quelque chose, mais de ce que je vois... ce serait pas pour tout de suite. Ah merde. Fallait pas sortir. Qu'est-ce qui va se passer? Ah ouais, d'accord. A qu'à trouver une façon de les arrêter. On pourrait même récupérer les gens qu'ils trimballent. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'éliminer les drones et de prendre soin de quelqu'un d'autre que vous-même. Bah, c'est ce qu'on avait déjà fait, on avait commencé à tirer sur les drones et on nous avait dit « Non, faut pas tirer sur les drones !» Bon, et maintenant on a l'autorisation. Pour ces conneries. Alors écoutez bien, je vais vous l'expliquer une seule fois. Je suis autorisé à te donner un petit coup de pouce. J'ai mis de côté de l'équipement pour toi. Tu le trouveras sous forme de colis. Chaque fois que vous abattrez un drone, votre prochain colis sera de mieux en mieux fourni. C'est pour toi, tu le récupères, sinon il repart. Y a pas écrit la poste ici, tu vois. Je vois. Voyez, je vois. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? Un véritable coffre au trésor. Ah ouais! Alors attends, là, non. Là, non. Là non plus. Mais! Quand même, on va aller voir un petit peu. Non, gérer l'équipement. Non, pas ça. On va faire ceci. Tac, petite tac. Question. Super. Est-ce qu'on va enfin pouvoir utiliser ce truc de glace? Ça fait 5 minutes qu'on l'a. Il prépare l'entraînement sur le terrain. Fous-moi le camp. Qu'est-ce qu'on attend? Une glace. T'es lourd, mec. Est-ce que tu le sais que t'es lourd? Je suis sûr que tu le sais. Alors, vous les gars. Grenade. Non. Je regarde si je peux pas vous donner quelque chose de mieux. Là, en termes de DPS, on a 1000 fois mieux. Je vais donner ça. Super. Ensuite, pour toi, mon poteau, je vais te filer... Alors, qu'est-ce que je pourrais te filer? Toi, t'as 509. Tac. Tantôt, t'as quoi? Ouais, t'as ça. Et boomerang, toi... Qu'est-ce que tu as? Tu as un fusil à pompe à 1001. Ouais, non, mais ça, c'est pas à toi. Ça, c'est à Sharky. Non. On va te laisser ce que t'as. Y a pas de souci. Apparence, pourquoi? Ah oui, ça me dit bannir. Tac. Contrat. Donc là, annuler, récupérer. J'en déduis que vous avez réussi. Ah, bien joué. Ça, non. Détruire deux positions sur les toits. Infliger n'importe quelle affliction à 5 ennemis dans quartier, ouais. Réaliser des frags jonglés sur 5 troufions. Ah, vous ça, aimez je peux le danger, faire. Non, vous allez être servi. Bien servi, même. Bon, bah écoutez, sur ce, les amis, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Hein.
Parce que là, on approche de l'heure de gameplay, comme d'hab, hein. Vous commencez à connaître un peu la chanson. Des fois, je dépasse l'heure de gameplay, mais des fois, voilà, j'essaye de faire en dessous. Là, je peux faire en dessous, donc bingo bango. En tout cas, voilà, vous aurez eu un épisode riche en action. Après, ce ne sont pas des missions scénarisées. Je pense que le jeu compense le manque de scénarisation dans les missions avec des cutscenes. Là, il y en a eu un peu moins parce qu'on a fait un peu de quêtes secondaires. Mais vraiment, je pense que le jeu compense à ce niveau-là. Tu vois, c'est pas comme dans Batman Arkham. Enfin, les trois Batman Arkham. Les quatre, si tu prends en compte Origin. Où on avait des missions scénarisées du début à la fin. Là, non. Là, c'est vraiment limite... vas-y, va là-bas, va récupérer des gens. Et je pense que, hélas, on va faire ça jusqu'à la fin du jeu. Je croise les doigts pour que non, mais... l'avenir nous le dira. En tout cas, j'espère que vous êtes toujours chaud, patate, pour suivre cette aventure en ma compagnie. Vous me direz ce que vous en avez pensé de tout ça dans les commentaires. Le petit pouce en l'air avant de partir, l'abonnement, la petite cloche, le partage. Allez, ciao, bye bye!